L'amélioration des conditions. C'est un bâtiment complètement rénové du collège d'enseignement général Antoine Bantoud que l'administrateur maire de l'arrondissement de Mvouvou, Guy Edmond Luimba, a réceptionné ce 15 mai 2019. Un don de l'association Momo Makoso qui s'est fixé un but, celui d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves du Congo en général et de Pointe-Noire en particulier. Cette initiative est partie de l'association Momo Makoso, décidée à travailler pour les élèves de Pointe-Noire. Ce projet FAS visait à offrir à quelques enfants au lieu qu'ils puissent se stabiliser et évoluer dans un cadre affectif et chaleureux, dans une atmosphère familiale. Étant apporté une sécurité dans une condition d'apprentissage, car nous sommes convaincus que cette jeunesse est l'avenir de notre pays. Ce bâtiment de 27,50 mètres de longueur et 8,25 mètres de largeur comprend trois salles de classe. Ces travaux qui ont porté sur la réhabilitation des murs, de la toiture ainsi que la fourniture d'un nouveau portail ont coûté 12 millions de francs CFA, a signifié le secrétaire général de l'association Momo Makoso. Il nous a été possible de réunir les fonds nécessaires pour lancer les travaux et nous avons vu s'élever petit à petit les murs de ce beau bâtiment qui abritera dorénavant et dès l'année prochaine les activités scolaires. Cette réfection est un don précieux qu'il faille utiliser à bon escient, a rappelé le maire de l'arrondissement de Mvouvou s'adressant aux élèves, aux enseignants et aux chefs du quartier avant de remettre à son tour les clés à la direction départementale de l'enseignement général. Que ce bâtiment qui vient d'être réhabilité au même titre que les autres bâtiments existants ici doit être bien entretenu. L'école vous donne des connaissances. L'école vous donne la sagesse. Vous devez entretenir les bâtiments scolaires, les équipements scolaires, au même titre que vous entretenez votre corps. L'association Momo Makoso ne compte pas s'arrêter sur ce bâtiment du CG Antoine Bantou. La réhabilitation des autres bâtiments s'en suivra.